I now give the floor to His Excellency Boshit Edmond, Minister for Foreign Affairs and Worship of Haiti. Monsieur le Président, je souhaite tout d'abord, au nom du Président de la République d'Haïti, Son Excellence Monsieur Jovenel Moïse, vous adresser mes plus vives félicitations pour votre élection à la présidence de la 74e session de l'Assemblée générale et vous assurer du parfait soutien de ma délégation dans la conduite de nos travaux. Je m'en voudrais de ne pas féliciter votre distinguée prédécesseur, Madame Maria Fernandez Espinosa Garcés, pour l'excellente qualité du travail accompli au cours de la 73e session de l'Assemblée générale. Je salue également le travail remarquable du secrétaire général, M. Antonio Guterres, aux commandes de notre organisation, plus particulièrement les efforts indéniables qu'il a su déployer pour focaliser l'attention de tous sur l'impérieuse nécessité de travailler ardument à la satisfaction des besoins et aspirations légitimes de tous les peuples de la planète. Je l'encourage vivement à continuer d'œuvrer pour la mobilisation des ressources financières nécessaires pour conjurer, dans le cadre d'un multilatéralisme renouvelé et renforcé, les diverses menaces à la paix et à la sécurité internationale, et promouvoir la mise en œuvre effective du programme de développement durable à l'horizon 2030. L'avenir de l'humanité en dépend amplement, car si nous ne respectons pas les multiples engagements auxquels nous avons librement souscrit au cours des dernières années, le monde risque de ne pas être celui que nous, peuple des Nations Unies, appelons de tous nos voeux depuis l'adoption de la Charte de l'Organisation. À la veille de la commémoration du 75e anniversaire de la création des Nations Unies, j'estime indispensable un sursaut de responsabilité collective. Nous devons tous rester mobilisés sur ces buts, principes, piliers d'action et objectifs, en gardant à l'esprit que les générations futures nous jugeront sur notre sens de responsabilité et de solidarité. Monsieur le Président, je me réjouis que le débat général de cette session soit fortement marqué du sceau de la promotion du multilatéralisme tel que le suggère son thème central, à savoir dynamiser les efforts multilatéraux en faveur de l'élimination de la pauvreté, d'une éducation de qualité, de l'action climatique et de l'inclusion. Ce thème rappelle aux États membres de l'organisation et à toutes les parties prenantes, s'il en était encore besoin, la voie à suivre pour réaliser le développement durable et la paix mondiale. Aussi ai-je noté avec une énorme satisfaction que les réunions de haut niveau convoquées tant par le secrétaire général que par vous, Monsieur le Président, s'inscrivent dans la dynamique de la promotion de la mise en œuvre des engagements pris au regard des objectifs du développement durable, de la garantie de la couverture sanitaire universelle, de l'impératif du financement du développement et de l'appui aux petits États insulaires en développement. J'espère que nous comprendrons tous
la nécessité de passer des déclarations solennelles à des actions et initiatives concrètes qui soient à la dimension des défis présents et à venir. Monsieur le Président, je voudrais en appeler à la bienveillante attention de tous sur l'augmentation inquiétante du nombre et de l'ampleur des incendies des feux de forêt survenus au cours des dernières années. Je profite pour renouveler ma profonde et sincère solidarité à l'endroit de tous les pays et de toutes les populations les plus durement affectées par ces incendies, ainsi que mon soutien inconditionnel aux initiatives concertées qui visent essentiellement à les prévenir. Il y va de la satisfaction de l'intérêt général et de la préservation de notre planète. Monsieur le Président, plus près de nous, les 1er et 2 septembre écoulés, l'ouragan Dorian a semé la mort et la désolation avec de lourdes destructions au sein des populations de l'archipel des Bahamas, notamment les îles Abaco et Grand Bahama, qui, d'ailleurs, accueillent de nombreux migrants de mon pays. Ce pays frère fait face à la plus grave urgence humanitaire de son histoire. Je réitère ma parfaite solidarité avec les autorités et le peuple des Bahamas, ainsi que mon appel à un plus grand soutien de la communauté internationale aux efforts des Bahaméens. Nous pensons également aux inondations qui ont récemment frappé les villes haïtiennes des Gonaïves et de Petit Gouave et provoqué des pertes humaines et des dégâts matériels considérables. Le gouvernement haïtien fait de son mieux pour continuer à fournir l'aide d'assistance aux victimes et s'attaquer aux causes profondes de ce phénomène. Dans ce contexte, une attention particulière devrait être accordé aux petits États insulaires en développement, qui ne disposent pas de moyens suffisants pour lutter contre les catastrophes naturelles et préserver l'environnement. Mon pays souhaite ardemment apporter toute sa contribution aux efforts multilatéraux pour lutter contre ce phénomène. Monsieur le Président, ce n'est pas un hasard si l'élimination de la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde constitue l'objectif numéro 1 du programme de développement à l'horizon 2030. Il est malheureux de constater que les efforts déployés au niveau mondial pour la mise en œuvre de cet objectif central sont loin d'être à la hauteur des besoins réels. Aujourd'hui encore, un fort pourcentage de la population mondiale souffre de la pauvreté et de la faim. Nous ne parviendrons pas à inverser cette triste tendance sans une vaste mobilisation de ressources financières. Le décalage est encore très saisissant entre les engagements que nous avons pris et les actions en cours pour éliminer la pauvreté dans le monde. En tant que petit État insulaire en développement, Haïti ne ménagera aucun effort, malgré la faiblesse et la limitation de ses moyens, pour s'attaquer résolument aux causes profondes de la pauvreté et de la faim. Notre débat a également le mérite de centrer l'attention sur la nécessité d'un plus grand engagement en faveur d'une éducation de qualité. Ma délégation est convaincue qu'une éducation de qualité et accessible à tous est essentielle au développement économique et au progrès social. C'est à notre avis le principal domaine dans lequel le principe directeur du programme de développement à l'horizon 2030 ne laisser personne à la traîne devrait s'appliquer le plus. C'est surtout par l'éducation que nous pourrons garantir concrètement
le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, ainsi que le progrès économique et social de tous les peuples. Nous pensons que les politiques publiques visant le développement durable doivent accorder une place importante à l'éducation, l'épanouissement et l'emploi pour des jeunes qui constituent les véritables bâtisseurs de l'avenir. Monsieur le Président, une attention accrue doit être accordée à la lutte contre les diverses formes d'inégalité qui ne cessent de se creuser dans le monde. Ces inégalités nous éloignent de plus en plus des buts et des principes de notre organisation. La promotion de l'inclusion est, à coup sûr, l'une des exigences fondamentales dans la mise en œuvre adéquate du programme de développement durable à l'horizon 2030. Elle implique indubitablement la participation de tous les peuples et de toutes les parties prenantes aux efforts collectifs pour aboutir à l'avènement d'un monde meilleur. C'est dans cette optique que la République d'Haïti souhaite que soit accordée une plus grande considération aux demandes réitérées de la République de Chine-Taïwan en vue de sa participation aux activités du système des Nations Unies. Monsieur le Président, nous sommes à 11 ans de la date butoir fixée pour la réalisation universelle des objectifs du développement durable. Beaucoup de pays ont déjà réalisé des progrès considérables en ce sens. D'autres, au contraire, en dépit de leurs efforts, sont encore à la traîne, contrairement aux principes du programme de développement à l'horizon 2030, « No one should be left behind ». En Haïti, les besoins en termes d'urgence, de redressement et de développement à long terme demeurent immenses et exigent des investissements massifs dans différents domaines. Compte tenu de l'état actuel de mon pays, la poursuite des objectifs de développement durable reste et demeure un défi majeur. Des efforts gigantesques et soutenus doivent être déployés dans les domaines prioritaires tels les infrastructures essentielles, l'éducation de qualité, la couverture sanitaire, la mobilisation de l'investissement direct étranger, la reforestation, la protection de l'environnement, la relance de la production agricole, l'appui aux initiatives productives, ainsi que l'accès à l'énergie moderne et au crédit. Dans cette optique, Haïti s'enorgueillit d'avoir accueilli en mai dernier une délégation de la Overseas Private Investment Corporation, OPIC, afin d'explorer des outils de financement permettant de diversifier son économie et de l'aider à répondre à ses besoins en matière de développement par le biais des projets du secteur privé. Monsieur le Président, la République d'Haïti a la pleine conscience de la responsabilité qui est la sienne de garantir les conditions essentielles pour la sécurité, la stabilité et le développement à long terme du pays. Malheureusement, mon pays confronte depuis plusieurs mois une crise politique complexe qui est venue se greffer à la situation de précarité socio-économique vieille de plusieurs décennies. Conscient de sa lourde responsabilité, le président de la République a tendu la main à toutes les forces vives de la nation en vue de sauvegarder les acquis démocratiques, de permettre au pays de revenir à la paix
la stabilité, la sérénité et de faciliter la plus large participation citoyenne à la gestion de la chose publique. C'est justement le sens de son message du mercredi 25 septembre écoulé, dans lequel le président en a appelé à un dialogue interhaïtien, constructif et inclusif, devant aboutir à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Dans ce même ordre d'idées, le chef de l'État poursuit les consultations nécessaires avec toutes les institutions nationales susceptibles de faciliter le dialogue entre l'exécutif et les forces politiques, économiques et sociales de la nation, en vue de la conclusion d'un accord politique devant conduire, d'une part, à l'apaisement social et à l'organisation d'élections libres, honnêtes et démocratiques, et d'autre part, à la consolidation des institutions démocratiques et à la stabilité politique, économique et sociale. Le président de la République entend faire tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à mobiliser les principaux acteurs de la vie nationale et internationale sur les efforts indispensables pour engager irréversiblement le pays sur la voie de la stabilité et du progrès. Cependant, la République d'Haïti ne pourra pas se relever sans un appui substantiel, soutenu, durable, cohérent, bien coordonné et efficace de la communauté internationale. Monsieur le Président, plusieurs missions des Nations Unies sur le terrain, notamment celle du groupe consultatif ad hoc de l'ECOSOC, ont récemment dressé le constat des difficultés énormes et multidimensionnelles que confronte la République d'Haïti. C'est dans ce contexte que s'effectue le retrait progressif de la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti, MINUJUS, et la transition vers le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU. Nous prenons acte du mandat de cette nouvelle mission qui consistera essentiellement à conseiller le gouvernement de la République sur les moyens de promouvoir et de renforcer la stabilité politique et la bonne gouvernance. Nous souhaitons vivement que cette nouvelle mission des Nations Unies ait à sa disposition toutes les ressources nécessaires à la pleine réalisation de ses principales tâches. Il est important que se développe une meilleure coordination de la présence onusienne en Haïti et que toutes ces actions s'inscrivent dans le cadre des priorités établies par le gouvernement de la République. Aussi est-il primordial que le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti accorde une attention soutenue aux politiques publiques à caractère économique, social et environnemental. Monsieur le Président, la stabilité d'Haïti passera nécessairement par un authentique dialogue interhaïtien, l'amélioration de la situation sécuritaire, ainsi que la promotion de l'investissement privé, de la démocratie, de la justice, des droits de l'homme, de l'état de droit et du développement durable. Ma délégation souhaite partager avec les peuples des Nations Unies les vœux de la République d'Haïti pour l'établissement d'un monde meilleur, où triomphe enfin la paix, l'harmonie, la stabilité, le progrès et le bien-être pour tous. Toujours est-il que ce monde idéal et idéal ne se réalisera pas sans l'adoption d'un nouveau paradigme de la coopération internationale, qui passe nécessairement par une réforme en profondeur des structures ainsi que du fonctionnement du système des Nations Unies.
Cette réforme doit tenir compte des nouvelles réalités du monde contemporain. Tout compte fait, les structures des Nations Unies se doivent d'être plus souples, plus ouvertes et plus pragmatiques de manière à rendre l'organisation plus proactive et plus efficace, autant dans ses prises de décision que dans la mise en œuvre de celles-ci. Nous en voulons pour preuve le cas de l'introduction de l'épidémie du choléra en Haïti, qui a fait des dizaines de milliers de victimes à travers le pays. Une action responsable et célère des Nations Unies aurait pu permettre de limiter les dégâts et d'éviter bien des souffrances aux populations affectées. Force est de reconnaître que des progrès encourageants ont récemment été accomplis. Dans la lutte pour l'élimination du choléra en Haïti, grâce aux efforts de l'envoyé spécial du secrétaire général et de tous les secteurs concernés en Haïti. Nous invitons les Nations Unies à redoubler ses efforts en vue de mobiliser des financements suffisants et prévisibles pour la mise en œuvre adéquate de la stratégie de lutte contre le choléra en Haïti. Ma délégation exprime enfin, au nom du président de la République d'Haïti, son Excellence M. Jovenel Moïse, sa plus sincère gratitude à l'endroit de tous les partenaires et amis d'Haïti qui soutiennent nos efforts en vue d'améliorer les conditions de vie de toutes les couches de la population haïtienne. La paix est un bien universel. Nous devons tous travailler pour la paix, afin que nos projets de promotion humaine ne soient pas une expression d'illusion, mais plutôt une réalité. Je vous remercie de votre attention. I thank the Minister for Foreign Affairs and Worship of Haiti.